Ok. Donc, on va vous présenter les résultats des deux parties de Geekonomicus qu'on a joué cet après-midi et ce matin. On va présenter les résultats des deux salles, sachant que moi j'étais pas dans la première salle, mais a priori c'était un peu plus compliqué niveau des comptes, etc. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que c'était la première fois qu'on jouait Geekonomicus version 2. Et donc, on a. Voilà, ça s'est bien passé et on va vous présenter ça tout de suite. Donc, dans la deuxième salle, c'était celle qui était juste derrière, il y avait donc 11 joueurs. Ils ont mis en, donc c'était la version 2, ils ont mis en place un héritage de manière un peu irrégulière apparemment dans la monnaie dette. Ils n'en ont pas mis en monnaie libre. Et donc voilà, donc voici un petit peu là, ce qu'on peut voir. Donc en bas, c'est les joueurs. Ici, donc en orange, c'est la moyenne et en pointillé, c'est la médiane. Et dans la zone bleue, c'est l'écart type autour de la moyenne. Donc là, c'était la monnaie dette sans compter la banque. Si on ajoute la banque, bon, elle dépasse du, elle dépasse du, des limites. Donc voilà. Donc on peut voir que l'écart type avec la banque a complètement explosé. Hein, du coup, il y a vachement, enfin, elle est vraiment en dehors. Et puis, bah, il y a quelques-uns qu'on voit bien galérer. Je sais pas qui c'était FX, mais il a eu un peu de mal. Hein. En monnaie libre, ce qui est intéressant déjà, donc l'écart type est beaucoup plus réduit. Globalement, il y a plus de valeurs qui ont été créées. Donc, si vous voulez voir ça sans la banque, en gros, en monnaie dette, on était comme ça. Et en monnaie libre, voilà. Donc, on a créé plus de valeurs. L'écart type entre les individus était plus faible. Donc, ça veut dire qu'il y avait moins de, il y avait moins de très riches et de très pauvres. Et globalement, c'était plus restreint. Voilà. Et donc, la moyenne était, je pense, un peu plus élevée. Voilà. Là, la moyenne, elle est vers 50-52, alors qu'ici, on est vers 70. Alors après, on va vous montrer les résultats de la deuxième partie, donc qui a été jouée à 20 joueurs. On a mis en place donc un héritage de génération en génération, avec une petite taxe sur la succession, parce que sinon on n'avait plus de cartes dans le paquet de la pioche. Donc ça permettait de l'alimenter en continu et que la partie puisse continuer. Donc en monnaie dette, donc voici, donc là ça va être l'échelle. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est la moyenne donc, qui est à 35,79, c'est marqué en haut, la moyenne par joueur de valeurs produites. Le total de toutes les valeurs produites était de 680 et l'écart type est de 37%, l'écart type à la moyenne. Je ne suis pas statisticien, donc si quelqu'un veut expliquer ce que c'est l'écart type à la moyenne, je le laisse faire. Ok, avec la banque, donc c'est moi qui joue la banque. Je me suis un peu amusé, hein. Je dois vous avouer que c'était plutôt sympa. Donc voilà, en gros j'ai produit plus du double de celui qui a produit de la valeur, c'était Janté, qui s'est bien débrouillé, mais pas autant que moi. L'écart type est donc de 60%, l'écart type à la moyenne, et donc bah, la banque fait remonter la moyenne mécaniquement. Et donc là où c'est intéressant, c'est en monnaie libre. Donc vous voyez, avec la banque, on a produit 810 valeurs. Hein. Donc c'est le total de tous les joueurs, des 22 joueurs qu'on travaillait ensemble. En monnaie libre, on a produit au total de tous les joueurs sans banque 949 valeurs. L'écart type est plus réduit, on est à 30%. Et la moyenne par joueur est à 35,79. Ou peut-être plus, ouais, non. C'est pas grave. Bref, je vous laisse conclure, je m'arrêterai là. On l'a pas là? Ah oui. Donc juste pour vous expliquer, si vous savez pas comment lire ces graphes, ils seront publiés. Normalement, on les publie, hein, tous les jauges Economicus. En général, alors là, je sais pas si c'est prévu. On fait une vidéo récapitulative, on explique au minimum ce qui s'est passé et on donne ces graphiques justement. L'idée, c'est de jouer deux fois le même jeu. On change juste qu'une chose, c'est le système monétaire. Donc ce qu'il a montré là, de façon assez nette, c'est qu'on produit plus de valeur en monnaie libre et en plus, il y a un écart-type plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distorsion de valeur entre les joueurs est plus petite.
Si vous voulez, ça veut dire que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est faible, en fait, si vous voulez. Il y a toujours, vous voyez, quand même des riches et des pauvres, mais c'est un écart réparti, si vous voulez. C'est plus tassé, quoi, en quelque sorte. Hein, voilà. Et revient sur la banque, là, avec la banque. Et voilà, donc là, en fait, du fait qu'il y a la banque, ici, mais même si on pouvait l'enlever, mais vous voyez que la banque, effectivement, c'est un joueur. Hein. Bon, là, c'est vrai que c'est une banque, putain, la vache. Donc là, vous avez un écart type super fort. Ça veut dire qu'il y a effectivement des écarts de variation, de richesse entre les joueurs qui est beaucoup plus prononcé. C'est ça l'écart type. Écart type, si vous voulez, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc si tout, par exemple, si tout le monde est à la moyenne, l'écart type est de 0. Et si vous avez des gens très au-dessus de la moyenne et des gens très en dessous, il sera énorme, il sera de 100%. Vous voyez? Entre 0 et 100%, quoi, voilà. Donc voilà, donc plus il est petit, moins il y a de distorsion entre les productions des différents joueurs. Voilà, donc c'est un jeu très formateur, je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Et on le voit d'autant plus au résultat, parce que pendant qu'on joue, on ne se rend pas compte qu'on est observé. En fait, vous servez de cobaye, en fait. Hein. Et ouais, vous ne le saviez pas, mais on vous utilise comme cobaye pour vous montrer quelque chose que pendant que vous jouez, vous ne voyez pas. C'est que l'utilisation du système monétaire avec le même jeu donne un résultat différent en termes de répartition. Même si on ne sait pas quelle sera la répartition. C'est systématique, à chaque fois qu'on joue ce jeu, et ça doit faire peut-être la 30e fois qu'on joue Jeconomicus sous ce modèle-là. Enfin, je ne sais pas combien exactement. Moi-même, je ne peux pas compter, je ne sais pas. Mais ça donne toujours ça. Pour l'instant, on n'a pas eu d'exception. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein, parce que si on se met d'accord entre les joueurs, on pourrait s'arranger pour que ça ne marche pas. Mais si les joueurs ne sont pas au courant et qu'ils jouent à peu près normalement, ça donne toujours ça. Est-ce que certains ont envie de réagir suite au jeu, sur ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont vécu les choses, est-ce qu'il y a eu un stress? Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout le temps de voir ce qui se passait ici, parce qu'on était bien pris dans l'atelier. Alors, j'aimerais bien avoir vos impressions. Alors. Donc j'étais dans la petite partie de l'autre côté. Très vite, en fait, dans la monnaie dette, il n'y avait pas grand monde qui voulait faire de crédit. Parce qu'on se doute bien que c'est une arnaque. Pardon? Donc personne ne voulait faire trop de crédit. Et puis à un moment donné, on n'avait plus trop de monnaie dans l'économie, puisqu'il n'y avait pas trop de crédit. Et on a vu qu'avec. Étienne, on pouvait aller découper des bouts de papier et faire de la fausse monnaie. Donc on a fait de la fausse monnaie. Et mais cette fausse monnaie, elle a débloqué le jeu de la monnaie dette. Et donc on s'est rendu compte qu'en suivant les règles, souvent ça marche pas. Et qu'il y a des gens qui vont enfreindre les règles et finalement, ils vont faire plus marcher l'économie. Cette fausse monnaie a permis de relancer des échanges, de recréer des carrés, remettre des valeurs dans l'économie. Alors que si on suivait seulement les règles de la banque, on n'y serait pas arrivé. On n'avait jamais eu ça, je crois Voilà. pas encore. Ah si. Mais les résultats sont les mêmes en fait. On a eu des gens qui ont fait des monnaies locales papier aussi, indexées à l'euro. Ouais, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Oui, mais indexées, enfin voilà, ils s'étaient dit, voilà. Bah, c'était de la fausse monnaie. Normalement, c'est la prison, hein. Pour respecter la loi, ils ont voulu, contrairement à vous, l'indexer à l'euro. Et en fait, bon, bah, le résultat est le même en matière de pénurie. S'il y a une pénurie monétaire, ça change quasiment rien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Peut-être une ou deux. Et puis après, vraiment, on continuera l'échange en centre-ville. Peut-être qu'il y a des gens qui... Attendez, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas nous suivre ce soir, qui ont envie de réagir. On peut leur donner la priorité, peut-être. Laissez le micro allumé comme ça. Je dirais juste peut-être que sur la partie livre, le fait que nous, dans notre salle ici, on a dans la petite salle, on n'a pas on a autorisé le troc. Et je pense que ça a facilité peut-être un petit peu le jeu et que si on. Je sais que dans certaines parties, des fois, on interdit le troc et ça change tout. Mais dans la Alors, petite salle, je passe. on peut rétablir un peu qui ici, de manière courante, fait le troc dans sa vie tous les jours? D'accord. Sur quel type de valeur vous avez déjà troqué Il y a certaines valeurs que vous troquez ou... Un exemple? Si on peut passer le micro.
président. Si on peut pour moi, le troc au quotidien, c'est à chaque fois qu'on rend service et quelqu'un nous rend service en retour. C'est-à-dire qu'on donne des objets. Quel type d'exemple, pour être précis? Quand on donne des meubles à quelqu'un qui en a besoin et qu'on va récupérer des meubles de quelqu'un d'autre, quand on donne de l'ensemble. Donc ça arrive souvent, en fait, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, quoi. Est-ce que c'est du don ou c'est vraiment du troc? Bon, en fait, ce que je cherche à dire, mais c'est on ne veut pas vous convaincre encore une fois de rien, même si on est très passionné et je conçois que ça peut être un peu, et je m'en excuse, ça peut être un peu mal ressenti ou je sais pas, voilà. Mais vraiment, on ne cherche pas à vous convaincre, simplement, c'est vous susciter des questions. En fait, le troc, c'est quelque chose qui marche très peu. Donc, dans un jeu, on peut peut-être y arriver parce qu'on n'a pas beaucoup de valeur, mais dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose qui n'existe quasiment pas, en fait. Voilà. Enfin, c'était juste ma réaction. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne seront pas là ce soir qui souhaitaient prendre la parole? Si quelqu'un peut distribuer la parole, comme ça, voilà. Tout le monde m'entend. Non, moi, ce que je voulais dire, c'était plus par rapport à ce que j'avais ressenti, par rapport à mes émotions. Et c'était pour moi, donc la première partie avec la monnaie dette, je me suis sentie beaucoup plus excitée, dans le sens où j'avais envie de faire des échanges. Enfin, tout le monde était nerveux. Oui, excité, enfin voilà, on voulait tous faire des échanges, mais bon, c'était un petit peu chaud. Par contre, dans la deuxième partie, c'était plus sympa parce qu'on était plutôt détendu. On faisait même ça avec plaisir. Et on ne va pas dire que l'argent, enfin les billets n'avaient pas de valeur, puisque ça en avait, mais on en donnait un petit peu moins. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Enfin, on était moins égoïste, en fait, par rapport à ça. On partageait beaucoup plus les choses, ce qui fait que c'était plus harmonieux et plus sympa. Merci. D'autres réactions? Dans le jeu, lorsqu'on l'aborde, ce qui serait bien, c'est peut-être plus nous expliquer. Par moment, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on prend 4 cartes? Parce qu'en fait, la finalité aussi, c'était un peu de comprendre le jeu par rapport à ce que ça peut donner dans un modèle réel. Donc, c'est vrai que, bon, en échangeant, j'ai eu des réponses, mais... dans la présentation du jeu, ça pourrait être sympa de mieux nous expliquer ce que ça représente. Par exemple, les 4 cartes, je dis, mais pourquoi on prend 4 cartes? Je ne comprenais pas. Ben, on m'a dit, mais si, tu peux créer de la... Toi, tu peux créer de la valeur. C'est, ça vous paraît évident, mais en fait, quand on arrive dans le jeu, c'est... Voilà. Avoir plus d'exemples, peut-être, ça t'aurait parlé. Ouais, voilà, c'est plus illustré, quoi, pour parce que, bon, là, on a le retour, mais en fait, c'est pas qu'un jeu, quoi. Derrière, c'est que il y a un enjeu, quoi, dans la compréhension, quoi. Okay. Okay. On prend note. C'est une question à ceux qui ont participé au jeu, parce que... Du coup, moi j'étais au-dessus, dans une salle au-dessus, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais on avait déjà fait un jeu une fois, on l'avait pas déroulé jusqu'au bout parce que c'était compliqué de le gérer alors qu'il y avait personne qui l'avait fait avant. Mais on était face à un problème quand on était en monnaie libre, c'était que quand des gens accumulaient en fait un stock de billets de la valeur la plus faible qui allait disparaître au tour d'après. Donc imaginons que le billet rouge va disparaître, on le sait, au tour d'après. Y a des gens qui, dans les échanges, se retrouvaient avec beaucoup de billets rouges, et du coup, ils ne pouvaient plus acheter parce que personne n'acceptait de prendre ces billets rouges-là, en fait. Et alors, ça, je crois en comprendre les raisons, mais est-ce qu'il y a eu les mêmes problèmes ici? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans la capacité de payer parce que tu peux changer, en fait. Tu peux changer vers des valeurs supérieures. Parce que tu parles de la monnaie libre. Dans la monnaie libre, la monnaie émise il y a longtemps ne disparaît pas, en fait. Donc on la retire par simplification. Mais si tu as 2 billets rouges qui disparaissent, tu peux très bien, moi je fais ça quand j'anime le jeu, prendre le change, prendre la valeur supérieure. Donc en fait, tu perds rien. Oui, mais alors ça implique de pouvoir. Sauf si tu n'en as que une, mais tu comprends dès le deuxième tour que ça vaut très très peu. Et après, c'est la limite de la simulation, comme on fragmente la monnaie en billets. Forcément, quand on se retrouve avec un seul billet, on va pas déchirer le billet de la couleur du dessus. Mais voilà, c'est la limite de la simulation, effectivement. Oui, mais c'est ce que j'ai remarqué dans les jeux que j'ai animé plusieurs. C'est souvent au début les 4 premiers tours, et puis après on commence à comprendre que la monnaie revient périodiquement.
Et donc, ce que je disais par rapport au commun, quoi. Au départ, on a peur, on a le vieux comportement, on dit oh là là, je perds, on ne comprend pas pourquoi. Et petit à petit, on se dit mais c'est pas grave, finalement, bon, ça ne vaut plus grand chose. Et on ne s'accroche plus à ces petites unités monétaires. Mais même au départ, même si on comprend que c'est une petite unité monétaire, nos comportements anciens, enfin nos structures mentales prises dans le piège de la monnaie dette, là, nous font réagir comme ça. Et alors, ça s'efface au fur et à mesure des tours. On va laisser quand même la parole, on aura un temps pour discuter. On va laisser la parole à ceux qui ne seront pas là ce soir avant de quitter. Voilà. Si ça ne vous dérange pas, parce que voilà, sinon on peut parler des heures, mais on. Voilà. Oui, alors, juste un petit truc quand même. Je suis là ce soir, mais sur ce point-là en particulier. On fait ça justement pour éviter dans le jeu d'avoir géré un nombre trop grand de billets. Ça permet de faire une rotation, mais dans une monnaie libre, effectivement, on ne supprimerait pas les petites unités. Donc c'est un effet de bord du jeu qu'on peut améliorer, comme l'a dit Benoît, effectivement, en changeant les billets de basse valeur par un billet de plus haute valeur, et ça réglerait le souci. Mais il va falloir que je refasse les calculs, et ça m'agace. Alors, moi j'aurais aimé savoir si vous avez trouvé ça compliqué. Le changement de valeur, la rotation des valeurs. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué? Combien de tours vous avez mis à vous adapter? Est-ce que finalement, cette monnaie qui paraît compliquée quand on la théorise, qui peut faire peur, c'est des maths, est-ce que quand on l'utilise, voilà, quel est votre ressenti? Il y avait quelqu'un là-bas, Yannick? Rapidement, je pense que si on a le background qu'on a compris la TRM et qu'on a regardé, c'est quelque chose qui est simple pour ceux, enfin un peu complexe pour nous qui connaissons déjà, mais ça va, on s'en sort et puis ça vient vite par habitude et par jeu. Par contre, je me mets à la place de quelqu'un qui n'en a pas entendu parler, ça me paraît difficile de commencer par ce jeu-là directement pour jouer avec des gens qui ont encore pas travaillé toutes ces. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans ce cas-là, justement, qui n'avaient jamais entendu parler et qui ont joué? Effectivement, peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Bon, tu vois, il y en avait quand même. C'est plutôt à eux de parler, oui. Ok, alors, on va s'arrêter. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'il y a un petit de 10 ans qui s'est super bien débrouillé. Et on peut dire qu'il n'était pas rentré du tout dans la monnaie dette encore. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été compliqué de lui enlever des idées parce qu'il n'en avait pas. Donc, à 10 ans, c'est super facile de rentrer dans ces trucs-là. Enfin, il avait beaucoup de facilité. Bref. Ok, une dernière réaction. Moi, je me suis senti obligé d'accélérer énormément les échanges. Et j'ai fini plus pauvre. Dans quel système? Dans le système. Alors moi j'étais dans la seconde salle. Oui. Et au second tour. Ce matin ou cet après-midi? Donc j'étais avec le système monnaie libre, j'ai de nettement moins bons résultats. Je sais pas. J'ai fait beaucoup plus d'échanges et j'ai terminé nettement moins bien à cause de la perte de valeur permanente. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je veux bien juste répondre à ça parce qu'il faut faire attention qu'on prend les valeurs alors qu'à chaque fois qu'on est monté en cran, tout est descendu. Donc, après avoir monté 4 fois en cran, en fait, on est déjà à une valeur beaucoup, beaucoup supérieure, sauf que ça revient à un point. Donc, on a fait beaucoup plus d'échanges et on a créé beaucoup plus de valeur dans ce qui est de la valeur, sauf qu'en termes de points, ça ne se ressent pas. Et puis même individuellement, effectivement, et peut-être que vous, dans la monnaie dette, ça a mieux marché, et puis dans la monnaie libre, moins bien. Mais collectivement, on a créé beaucoup plus de valeur, on a fait plus de sauts technologiques. Nous, on est passé, dans la monnaie dette, on est monté, on a fait qu'un saut technologique. Dans la monnaie libre, on en a fait 3. Ah ouais. Oui. Grâce à vous, on en a fait 1. Mais collectivement, on en a fait 3. Grâce à vous, on en a fait 1. Mais collectivement, on en a fait 3. Oh. Je voudrais juste préciser une chose, hein, au niveau du comptage, je crois qu'il y a un petit embrouillot. En fait, dans la partie, les valeurs, effectivement, au moment où les individus sont en train d'échanger et qu'il y a des choses qui sont plus vieilles, des choses qui sont plus neuves, pour eux, les choses valent plus cher au début, puis ça perd en valeur. Du point de vue du comptage des points, on considère qu'à chaque fois qu'on monte dans le temps, ça rapporte de plus en plus de points. Sinon, effectivement, les passages de saut technologiques, ils vont nous
ils vont déformer le calcul à la fin. Sinon, effectivement, les passages auto-technologiques... Peut-être Stéphane va me gronder, parce que c'est peut-être pas dans les règles du jeu. Enfin, avec Julie, nous, on s'est mis directement en coopérative. Et on s'est rendu compte, là, je viens de voir les résultats, par rapport à la moyenne de création par personne de valeur, on est, c'était à 60, je crois, Donc en fait, on s'est mis en coopérative, donc on a mis nos biens en commun et on les a échangés. Ça a produit, enfin, nous on a vraiment créé énormément d'échanges et je me rends compte qu'au bout du compte, la moyenne par personne de création de valeur, la nôtre additionnée en moyenne, elle est plus importante. Donc je me posais la question, si on met nos biens en commun tous ensemble dès le début du jeu, est-ce que là c'est possible et ça fonctionne? Et non, mais alors, purement parce que moi je connaissais pas la TRM justement au début, donc du coup je suis complètement novice et complètement vierge, et c'est une question que je te pose, si ça te paraît pertinent en tout cas. Alors tu peux la garder pour ce soir aussi. Hein. Rapidement, non, c'est évident, quel que soit le jeu, de toute façon, si les joueurs se mettent d'accord pour profiter au maximum des règles, ils vont faire un meilleur résultat. Mais c'est vrai dans tous les jeux. Ça peut être vrai au Monopoly, ça va être vrai à, je sais pas, au football, à n'importe quoi, ce que tu veux. Voilà. S'ils se mettent d'accord au départ pour optimiser, tiens, je me rappelle Allemagne-Autriche 1982, ils font match nul pour passer le tour. Voilà, hein, voilà. C'est pareil. Alors, ce qui est intéressant, je vais finir là-dessus, dans ce jeu aussi, c'est qu'effectivement, comme Bernard, ton exemple, il y a des gens qui s'en sortent très bien en monnaie dette. Hein. Ça explique qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on change de système. Et en fait, il faut regarder, si on reste dans nos individualités et qu'on ne voit pas l'aspect macroscopique de l'économie, le roulement des générations, on ne peut pas se rendre compte. On est comme un poisson rouge dans un bocal. Il faut sortir du bocal, quoi. Et il faut arrêter quelque part de penser à nous. Et ce qu'on fait dans nos équipes, là, c'est vraiment du long terme. On le dit souvent dans nos équipes, on n'est pas en train de faire une course de 100 mètres, on est plutôt en train de faire des courses de long terme parce qu'il va falloir 10, 20 ans, 30 ans peut-être pour que cette économie voit le jour de manière visible dans l'économie. Donc effectivement, c'est long et il ne faut pas penser qu'à nous, aussi à nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser, quoi. Parce que finalement, la vie, ça passe assez vite et on aura à peine mis ça en place que ce sera déjà une autre... Bon, bref. Merci à tous de votre participation. Juste un petit mot d'organisation. Donc on se retrouve pour ceux qui sont qui veulent passer la soirée avec nous. Donc au bar Le Rond-Point. Ça se situe rue de Val de Mayenne. C'est très connu Le Rond-Point à Laval. Donc si vous êtes perdu, vous demandez. Écoutez bien, la place du Gédo ou la place du 11 novembre ou le grand rond-point, d'où le nom du bar qui s'appelle le bar Le Rond-Point, le grand rond-point du centre-ville. Voilà, si vous suivez centre-ville, en principe, vous y arrivez, d'accord? Donc vous vous garez autour du rond-point, il y a un parking à l'intérieur de ce grand rond-point, et vous cherchez la rue du Val-de-Mayenne, vous allez voir des gens qui parlent de monnaie un peu louche, et c'est à l'étage, d'accord? Rue du Val-de-Mayenne, voilà. Bar du rond-point, ça va? Et dès que vous pouvez, là, vous pouvez y aller dès maintenant.